Bonjour tout le monde et bienvenue au français avec Madame Leanne et Madame Cheyenne. Hello everyone, welcome to French with Miss Shay and with Miss Leanne. Aujourd'hui, on va lire le livre Cocolou aime l'école, écrit par Ophelia Texier. Today we are going to read the book Cocolou aime l'école and this is by Ophelia Texier. So, I'll give a summary of what we're going to read about in English. So, in this book we see Cocolou, who you might think he's a crocodile or he might be a wolf. It depends on what you think. We'll call him a crocodile wolf. And today is his first day of school. So he is a little sad, saying goodbye to mom, of course. But at least he can have his stuffy with him today. With his classmates, he says hello to his teacher, Madame Choo Choo. They learn to raise their hand and speak and say their names, but not all at the same time. They learn to draw, they learn to sing along Madame Choo Choo's guitar. Lunchtime is everyone's favorite. Pasta! After lunchtime, it's time for a nap. After nap time, it's time for recess. Cocolou makes a lot of friends on the first day. At the end of the day, it's time for a story. And then it's time to say goodbye already. See you tomorrow, Madame Choo Choo. Miss Shay is going to read this book for us now. Let's read after her. The words will be underlined. Très bien, commençons. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'école de Cocolou. Les larmes aux yeux, il fait un bisou à sa maman. Crocodile. À ce soir, mon chéri. En classe, Cocolou regarde autour de lui. Tous les parents sont partis. Au revoir. Heureusement, Doudou a pu rester lui. Bonjour les enfants, dit la maîtresse. Je m'appelle Madame Chouchou. Madame Chouchou. Bonjour maîtresse. Chacun doit lever le doigt et dire son prénom. Alain, Cocolou, Alou, Doudou. Oh! Et pas tout à la fois, dit Madame Chouchou. Zaza, Lilo, Filou, Lila, Pilou, Noé. À l'école, on apprend à faire de beaux dessins. C'est très bien, encourage la maîtresse. Elle prend sa guitare et propose aux enfants de chanter avec elle. Quel succès! Da-da-da-da-da. Cocolou et ses camarades sont affamés. Heureusement, à la cantine, il y a du jambon et des coquillettes. Miam, miam, miam. Ensuite, chacun découvre son petit lit pour la sieste. Chut! Il faut dormir, dit la maîtresse. Une fois réveillés, les enfants jouent dehors. Youpi! Attrape la balle.
c'est la récréation. Dès le premier jour d'école, Coco-Loup se fait plein de copains. Youpi! Tu veux une sucette? Ah ouais! Moi aussi! Pour finir la journée, la maîtresse lit une histoire. Il y avait très longtemps. C'est celle du petit ours qui part à l'école tous les matins. C'est déjà l'heure des parents. Oh là là! Finalement, la journée a passé vite. À demain, Madame Chouchou! Au revoir! Et ça, c'est la fin du livre. Merci pour lire avec nous. Merci beaucoup! Au revoir!